Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour bien faire swinger votre pompe lorsque vous accompagnez en jazz manouche. Donc c'est une vidéo qui s'adresse plutôt aux guitaristes qui ont déjà un peu d'expérience, qui savent faire la pompe et qui aimeraient avoir des pistes pour améliorer certains points qui vont faire que ça va mieux swinger. Il y a deux points qui me paraissent très importants et dont je vais parler dans cette vidéo. Le premier c'est que pour bien swinguer, enfin selon moi, hein, je ne suis pas un, un grand expert de la pompe, mais je peux quand même vous donner quelques conseils, c'est important d'avoir un son qui est bref, qui ne dure pas trop longtemps, qui est, qui est beau, qui est propre, donc pas un son euh, comme ça, mais un son bien, euh, bien uni, où on entend bien le, les cordes vibrer, on entend bien l'accord, et qui est très stable qui est très régulier comme un métronome si vous oscillez ça peut pas fonctionner ça peut vous pouvez vous pourrez pas swinguer donc il faut que ça fasse ton 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 de façon très précise quoi si j'exagère un peu ça sonne un peu militaire mais c'est ça qu'il faut chercher à avoir comme si vous vous n'étiez qu'un métronome harmonique un métronome qui joue des accords quoi Comme je vous ai dit, je ne suis pas encore un expert. Selon moi, là, ce que je viens de faire, c'est assez régulier. Par contre, le son, il n'est pas encore parfaitement uni. Et puis, il n'est pas d'une propreté absolue. Mais bon, j'ai encore de la marge de progression. Euh, donc ça, c'est un premier truc qui est extrêmement important. Pour travailler ça, euh, plusieurs pistes de travail. Déjà, pour travailler la régularité, il y a des fichiers euh, audio, des, des playbacks même qui contiennent des stops en fait. C'est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc il y a la pompe qui tourne sur un seul accord ou sur la, la grille de mineur swing. Donc sur la mineure, tac, tac, tac. Le, le son s'arrête, mais il faut continuer de faire la pompe et retomber au bon moment. Et au début, les pauses sont courtes et à la fin, elles sont longues. Et donc du coup, vous, pouvez, vous pourrez voir si vous accélérez ou pas ou ralentissez. Ou alors si vous êtes stable rythmiquement. Ça, c'est pour bosser la stabilité. Pour bosser le son, la propreté du son, ça se joue beaucoup. Euh, à la force de tenue du médiator, il ne faut pas qu'il soit tenu trop fort, sinon vous aurez un son trop égréné, et il faut aussi que la pression à la main gauche soit ferme. Et c'est pas facile parce qu'il faut, il faut appuyer pas longtemps, mais pourtant très ferme. Et c'est ça qui va faire qu'on aura un son bien défini. Alors après, le médiator que j'utilise là, ce peut-être pas le top pour faire la pompe, mais voilà, il faut, il faut que ça fasse vraiment et pour travailler le son bref, c'est pas très compliqué, il suffit juste que la pression qui est ferme, elle soit relâchée assez vite si elle est, vous laissez les doigts appuyer trop longtemps, ça va plutôt faire ça va faire ça, et ça c'est difficile à faire swinger. en tout cas un tempo de 150, 200, c'est très difficile, ça pourra, ça pourra pas fonctionner, ça bave un peu trop quoi donc ça c'était le premier point qui contient en fait trois petits conseils, euh, la stabilité rythmique, un beau son, un son bien net, bien défini et qui est très bref, qui ne dure pas longtemps. Et le deuxième conseil, ça va être d'avoir un bon placement rythmique. Typiquement le truc qu'il faut éviter c'est de jouer derrière. Par rapport au contrebassiste, il y a un référentiel. Et si on joue avec un contrebassiste et qu'on joue un peu derrière de ses notes, donc, on traîne un peu les pieds, donc c'est lui qui nous tire rythmiquement parlant. Ça va moins swinger que si on joue un tout petit peu devant, comme si on avait envie de le faire accélérer, mais lui il, il résiste. Euh, et ça, c'est pas tellement comme ça qu'on fonctionne en jazz, pas manouche. Hein, on a tendance à faire un peu l'inverse c'est le contrebassiste qui drive le morceau et qui. Euh, et on, a, on peut jouer un petit peu derrière d'ailleurs moi j'ai tellement fait de jazz pas manouche que j'ai tendance quand je fais la pompe à jouer un peu derrière voilà c'est quelque chose que, que je dois corriger mais, euh, mais j'en suis conscient et donc du coup je suis concentré là dessus quand je fais la pompe donc essayez de jouer un petit peu plus tôt plutôt que un peu plus tard euh, pour mettre ça en application et pour vous montrer à quoi ça correspond au niveau du son je vais faire la pompe sur un des accompagnements disponibles sur ma chaîne youtube et je vais soit être bien placé soit jouer derrière soit jouer devant. C'est assez subtil donc tendez l'oreille, il y aura les indications affichées à l'écran hein, quand je joue devant, derrière et sur le temps. Tendez bien l'oreille ici de percevoir si vous entendez ça. C'est pas facile mais si vous y arrivez et ben vous, vous aurez une pompe qui swing. Et je vais faire ça sur le morceau Duke and Dukey tant qu'à faire à 160 BPM. Comme ça ça nous fait travailler une nouvelle grille. C'est assez sensible, hein, c'est pas évident. Euh, par contre, donc on, on se dit pas oulala, il est carrément décalé. Par contre, on a l'impression que je presse un peu le morceau, et ça, au niveau de l'énergie, en revanche, c'est assez perceptible. Et euh, si vous écoutez un groupe et qu'au bout de 2-3 minutes vous avez envie de danser, c'est probable que leur placement rythmique soit bien fait et que du coup que ça swing, on a envie de danser. Et donc voilà, c'est plutôt de l'ordre de l'énergie et de la sensation d'accélération. Que du réel décalage rythmique, hein, la perception. Voilà, c'était les deux conseils qui me paraissaient importants, le deuxième étant donc le placement rythmique. Euh, je pourrais vous donner d'autres conseils, mais ils me paraissent un petit peu moins essentiels en fait. Je pense par exemple au retour qu'on peut faire, le retour étouffé qu'on a tendance à faire, qu'on peut faire plus ou moins marqué. Pour moi, c'est pas forcément un gage de swing ça. Euh, le faire ou ne pas le faire, alors, on va essayer de le faire pas fort quand on le fait, il faut que ce soit subtil. Euh, mais mais l'exagérer, par exemple, c'est pas une façon de plus faire swinger la pompe, selon moi. Euh, J'aurais pu parler de l'accent sur les 2 et 4 aussi. un 2, 3, 4, qu'on va peut-être plus marquer quand ça swing un peu plus. Mais là encore, c'est pas systématique. Par exemple, ça fonctionnera plutôt quand le contrebassiste joue des blanches, mais pas tellement quand il, joue, quand il joue des noirs, quand il fait la walk. Donc, euh, la walking bass. Euh, donc euh, ça me paraît un peu moins essentiel que les deux conseils que je vous ai donnés j'ai aussi présenté une façon de faire la pompe, il n'y a pas une seule façon de faire une bonne pompe, ça dépend du tempo, ça dépend du groove du morceau, ça dépend de l'époque on a envie de si on veut jouer plutôt années 30 ou plutôt années 50 ou, euh, ou années année 20 même on va pas avoir la même pompe et ça peut très bien fonctionner, on peut très bien swinguer avec une pompe qui est un petit peu moins Sèche par exemple. Donc c'est une façon de faire la pompe qui est, d'après ce que j'ai perçu, euh, la façon actuelle de faire la pompe en fait. J'espère que cette vidéo vous a bien plu, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site Guitare Improvisation il y a d'ailleurs une vidéo qui est beaucoup plus complète, euh, ça dure une heure à peu près, c'est une vidéo qui est spécifiquement consacrée au sujet de la pompe, donc je donne plein de conseils et je parle aussi beaucoup des accords. Euh, de la technique exacte, de la tenue du médiator, tout ça, chose que je, dont je ne parle pas dans cette vidéo.